Yes! Max Africa, créateur de performance. La question de la semaine. Que font les jeunes sur les réseaux sociaux? Avec les réseaux sociaux, moi j'écris avec mes amis en fait. Pour m'informer sur les cours, bon, on parle, on papote un peu entre amis, c'est tout. Quand tu te contentes seulement des réseaux sociaux pour arnaquer les autres, là, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout bien. Laissons tout ça et cultivons-nous pour aller en avance comme les autres, comme les blancs là que nous arnaquons aujourd'hui. Chacun fait de ça ce qu'il veut en fait. Selon moi, je peux offrir un téléphone portable à mon enfant à partir de 18 ans. Il n'y a pas d'âge. Hein. Parce que la technologie a tellement évolué que ça c'est aussi pour la connaissance. Nous sommes tous conscients que nous sommes au 21e siècle. Ce qui veut dire qu'il y a une évolution rapide de la science. Ceci étant, les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Twitter et autres nous aident en tant que jeunes. Et ceci, je pense bien que c'est dans tous les domaines. L'Android permet effectivement d'avoir des renseignements sur beaucoup de choses, des recherches sur des choses, mais certainement du côté négatif, les enfants en profitent pour prendre des choses, télécharger des vidéos qui n'éduquent pas du tout. Moi qui suis ici par exemple, je suis dans un domaine où c'est le chinois que je fais, j'ai besoin de ça parce que d'abord, c'est pour mes propres recherches. Et ensuite, c'est pour maintenant être en communication avec des partenaires. Si je n'utilise pas ces réseaux sociaux, comme le WhatsApp et autres, je ne pourrais pas atteindre mon objectif. Sinon, le téléphone même, c'est très bon. Mais l'utilisation que les jeunes utilisent avec le téléphone, c'est ça qui est mauvais. Parce que le téléphone, c'est un outil de travail. Mais il y a des jeunes qui se servent pour faire du désordre, des arnaques, pirater les comptes des gens. C'est ça qui est mauvais. Nous sommes là des Sogbéa. Les Sogbéa, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, 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 nous sommes là. Je peux offrir le téléphone à mon enfant à 25 ans. Parce que moi, je me suis sorti dans la difficulté. Moi, je pense que chacun sait le pourquoi il utilise ces moyens de communication. Il y a certaines personnes de notre âge qui utilisent ces réseaux sociaux comme bon le semble. Tout se passe sur les réseaux sociaux dernièrement. Il y a des arnaques, des trucs comme ça qui se passent sur ça. Vraiment, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Parce que à cause de n'importe quoi là, que ça ne m'intéresse pas. Il y a de quoi. Nous sommes là, il y a des signes. Nous sommes là, il y a des signes. Mais l'un des signes, nous sommes là, nous sommes là. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est leur manger, hein, parce que bon, ils ont des parents qui sont gâtés. C'est l'inconscience. C'est l'inconscience. Si tu es conscient de ce que tu peux faire, de ce qui est utile en toi, tu vas te créer encore d'autres problèmes parce que c'est des ennuis. Quand tu fais des trucs comme ça, là, un jour, on ne sait jamais. Il y a des choses secrètes qu'on peut essayer de garder. On se voit, on peut discuter. Mais il y a des choses qu'on peut dire par les réseaux sociaux. Et ça va nous convenir, ça va essayer de nous convenir, nous les jeunes d'aujourd'hui. Et ça va nous donner aussi des conseils. L'enfant quitte la maison le matin, c'est le soir, il revient. Vous voyez? Donc le parent, lui, va laisser partir au boulot. Il va laisser l'enfant partir au boulot et revenir le soir. Bon, il n'a pas assez de temps pour le dire. Il va le dire, mais pas assez de temps. Je voudrais bien dire à mes frères ou à mes enfants d'en profiter du système pour faire de bonnes choses. Ce qu'il peut faire, qui est utile à faire sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'il essaie de le faire. Mais ce qu'il ne peut pas faire sur les réseaux sociaux, de laisser, et il peut se voir à tête pour discuter. Et là, ça serait mieux. Je n'ai pas de bureau en ville. Mon téléphone, c'est mon bureau. On m'appelle partout, mais je me réponds présent. C'est ça qui m'aide à faire mon travail.